Le banquier traditionnel ne connaît pas l'industrie du cinéma. Vous allez voir un banquier dit votre film, vous êtes sûr, vous allez le produire, vous allez le diffuser où, qui va l'acheter, donc il ne connaît pas cette industrie. Et donc la banque traditionnelle, même si certaines banques commencent à comprendre l'industrie audiovisuelle, reste quand même des acteurs en fin de parcours. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait des business angels, qu'on ait un peu de venture fund, donc qui prennent le risque, qui mettent l'argent au début pour parier sur le feuilleton, parier sur la série, et aussi les institutions internationales développant. C'est une industrie qui est un peu naissante, mais qui ne l'est pas dans certains pays déjà, mais qui nécessite d'être accompagnée plus massivement. Et donc je pense qu'en essayant d'articuler ces différentes sources de financement, on devrait pouvoir arriver à accompagner la production africaine qui a plus que jamais besoin d'être accompagnée parce que les talents sont là.